Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediffusion du Not So Berry. Je suis très couverte parce que je suis le rhume et le rhume est Shirley. On est deux entités qui venons de fusionner, donc je me suis couverte pour pas avoir froid. J'ai un petit chaton qui fait dodo pour veiller que sur moi. Et j'ai tout un chat qui m'embête. Voilà. Et on se retrouve pour notre sujet. Agent 21, cucu les copains de YouTube. Désolé pour les bruits bizarres et intempestifs que je pourrais pondre. Alors, en let's play, ça pourrait aider. Non, c'est où? C'est comme ça. Ouais. Aux dernières nouvelles, notre petit Totoya. J'ai pas encore fait son portrait, j'attends de changer un peu sa coupe de cheveux. Pour le photographier pour sa génération. Ça va, il grandit dans 16 jours. Il a rencontré des demoiselles, des damoiselles la semaine dernière. Et une d'entre elles a été élue pour créer la génération verte, qui sera la prochaine génération. Et c'est la petite Manon Price qui a été élue. Du coup, le but du jour, ce sera d'alpaguer cette jeune demoiselle et de la convaincre que Toya est un mec mortel. Voilà. Comme ça, au moins, c'est fait. Et sa future femme, j'avoue, à mon avis. Oui, on parle de l'avenir de mon chat si je devais disparaître. Ce petit machin derrière, là. Parce que vu que je le rhume, bah, peut-être que je vais mourir. Comme elle, d'ailleurs, puisque... Oh putain, elle pue sa mère, elle. Notre duchesse est à l'article de la mort, elle. Hein, elle clignote. Elle clignote, mais elle a également chopé la fièvre, la maladie du rongeur. Donc, les paris vont être lancés, les enfants. Une petite prédiction, on ne perd pas le vue. Alors, une prédiction que tu peux mettre un peu de temps. Hein. Prédiction, est-ce qu'elle va mourir de vieillesse ou mourir de la maladie du rongeur? C'est pas mal, ça. Ah non, je soigne que dalle. Non, non. De toute façon, elle doit crever, donc... d'un ou l'autre, moi, tant qu'elle se casse et qu'elle crève, ça m'ira très bien. Parce que je ne sais pas du tout combien de temps ça prend, et donc on verra bien. Donc une petite prédiction, ça pourrait le faire. On avait dit Jenny. Non, non. Non, non, ça y est, c'était... si mes souvenirs sont bons, c'était Manon. Voilà, c'était la petite Manon qui a été élue, sachant qu'il y avait possibilité d'y foutre dans le lot notre petite Astrée. Mais ah, Sakura est devenue vieille. Elle ne pourra plus faire d'enfant. Elle a essayé de gagner un petit peu, mais de jour, mais elle est devenue maintenant ventripotente et toute sèche. Donc ça ne va pas, ça ne va pas. C'est quoi cette maladie? C'est la maladie du rongeur. Elle va se mettre à baver et je ne sais pas. On verra bien. Mais je sais pas, la prédiction n'est pas encore lancée. Je ne sais pas. Peut-être que ça bloque au niveau des mots, comme Twitch aime bien faire des conneries. Et c'est du coup une maladie que vous avez avec le kit premier animal de compagnie. Donc si vous voulez la voir, c'est avec ce kit-là. T'es pas un peu fatigué? Ah non. Ah t'es... Donc t'es juste chelou en fait. Ouais. Ouais, c'est que avec les rongeurs, c'est Roger qui l'a... Roger, hein, qui a failli mourir 10 fois et qu'on a sauvé à chaque fois. C'est lui qui l'a... Qui l'a niaque. Et voilà, il est où ce con? Quoi t'as faim? Mais il est où? Ah il est là-haut, j'avais pas vu. C'est Roger. Comme ça. Y a pas de prédiction? Allô les pompiers? Y a pas de prédit? Elle a toujours ses habits de jeunesse, la vieille. Tout à fait, parce que je relook rarement les personnes âgées. Je devrais peut-être, mais je les relook rarement parce que je me dis... de toute façon, je m'en sers plus. Donc... Salut Fanny, comment vas-tu? Ben, j'ai demandé de faire une prédiction, voilà. Mais... C'est pas grave si on n'écoute pas. Ah, tant pis, il n'y aura pas de prédiction. Désolée pour la fausse bonne nouvelle.
Tu faisais pipi, oui, mais t'es pas tout seul, Martial. Voilà. Bah, je sais pas, il y a personne qui me répond. Bon. Eh, Madame G, il faut le filmer. C'est pas grave, tant pis. Alors, je vais accélérer le temps parce qu'on s'en fout de la vioc. Hein. Je sais plus s'il bosse. Ah, il bosse pas. Eh ben, c'est parfait. On va conquérir la petite jeune... Alors... Non. Hein, tu vas faire attention parce que je voudrais pas qu'il te... Bon, de toute façon, lui, il se fait bouffer. On le soignera, évidemment. Je voudrais pas qu'il claque. Tant qu'il n'a pas d'enfant, de fille, évidemment, il ne pourra pas mourir. Je m'insurgerai. Alors, il est 6h15 du mat. Mec, ouais, bon, on va attendre un petit peu que le temps passe pour inviter ta pote. Hein. De toute façon, en moins de deux, elle sera dans son lit. Donc. Ah, mais il faut qu'on invite la fille avec qui on avait fricoté. C'est moi ou je viens d'entendre un coup énorme sur mon plafond? Ouais. Tu vas te faire bouffer, fais gaffe. Non, c'est bon. Roger, il a été sympa. Après, il est un peu tôt. Je doute qu'elle vienne. Ah si, Madeleine va arriver. Ah, bah, cool. Croise pas ta mère. Va au fond du jardin, toi. T'es toute covidée. Dégage. Non ! T'approches pas de mon héritier. Casse-toi. Oh. Attendez, oh. Ça va, hein ? Madame Covid, là. Salut, Madeleine ! Ah bah ouais non mais je suis désolée Madeleine mais ça sert à rien que tu te mets dans tous tes états hein, parce que là on va pas vraiment rompre parce qu'on n'est pas vraiment en couple. On va juste dire ouais mais en fait tu nous conviens pas. Bon est-ce qu'on l'a... Un petit peu avant, non? On va partager des astuces de Sims sociales. Tu sais, le truc horrible, c'est que tu l'as... tu lui fais des trucs et après tu lui dis « Non, mais en fait, je veux juste qu'on reste amis. » Oh, culpiton, là. Oh, merde. Le chouchou is coming. Non, il viendra pas. On la culbute et on lui dit bye bye. Tu n'es pas celle qui m'aille, je te le dis sans faille, reste cool bébé, puisque je te dis bye bye. Une dernière pour les adieux. Il va aller se laver de tous ses péchés dans la douche avec elle. Mmh, ça sent bon dans la douche. Ouais, profites-en, Madeleine. Hein. Hop là! Faut bien qu'il fasse ses armes avant d'être avec sa future femme. Hein. T'as pour sa même chanson. Chanson qu'on s'est faite au dernier. À l'apéro live des années 90. Je dis pas de conneries. Ou alors c'était au Nouvel An. Je sais plus. Oh! Eh ben, dis donc, quand tu vois... allez, un petit roulage de pelle, histoire de pas être trop horrible. Trop horrible, trop horrible. Ah, je suis désolée, Madeleine, mais... Oh là là, elle lui offre une fleur, en plus. Je suis désolée, Madeleine. T'es mignonne. Amour issu d'une amitié. Voilà. Voilà, c'est fini. Tout va bien. Ils sont quand même pas non plus. Hein, toi, t'es bien habillée. Hein, ils peuvent rester potes, quoi. Si t'es comment ça s'appelle? Sex friend. Bonne nuit, Quentin. Oh, quel dommage, Madame G. La vieille meurt, bah, elle devrait pas tarder.
Elle a pas osé cliquer. Qu'est-ce que j'ai pas osé cliquer? Moi, je clique tout, moi. Voilà, t'es... Tiens, elle a raconté une blague grossière. Après, il est 9h, tu pourrais lui dire de se barrer de là, et puis... On va inviter ta future femme. Quoi? T'aimes pas l'humour grossier? Ah oh bah, t'es vraiment pas faite pour moi. Hein. Oh, j'avais pas vu que Madame Covid était là. Bonjour Madame Covid. Va pas infester Madeleine Norville. Non! Ne vous touchez pas! Non, tu ne lui parles pas, ta mère. Tu ne lui parles pas. Oh là là, il va choper. Hein. Mais pas. Pourquoi t'as un bug là? Il va pas choper ce qu'il faut. Elle a encore été voir les rongeurs. Hein. Je pense qu'elle a une obsession pour les rongeurs. Finalement, c'est une bonne mort pour elle si elle meurt de ça. Ah mais oui, elle est mignonne, mais effectivement, elle est pas collègue quoi. Hey. C'est triste. C'est moi et se gratter. Bah écoute, elle lui a peut-être filé des morbacs, on sait pas. Hein. T'as pas osé cliquer. Si, c'est juste que comme elle sortait sa rose, je me suis sentie un peu coupable quand même. Ah pardon. C'est bon. Vous allez bien avoir droit à un petit hachoum, un de ces quatre. Hein. Elle est où ta guitare, mec? Elle est où la guitare? Elle est là. Qu'est-ce que tu prends la guitare de ton fils, wesh? Il va la désinfecter, là. Vas-y, chante des chansons. Je vous rappelle qu'il faut... voilà. Qu'il joue d'un instrument. Oula! Bah, il a le droit, mais à distance. Hein, la distanciation sociale, ça aussi pour les Sims. Il y a beaucoup de S, là. Fais le ménage. C'est pas terrible, hein. Si, je lui ai demandé de chanter en même temps. C'est pour qu'il s'entraîne pour sa future chérie. Voilà, il est content. Aucune attache. Style de vie célibataire épanoui. Ouais, bah ça va pas tarder que tu te fasses attacher, mon petit chaton. Attache-toi et attache-la aussi. Ça te dirait devenir bronzé, ton petit cul bien moulé. Oh putain! Ah merci Martial. Je crois que j'avais pas mis actualisé. Bon. Ben voilà, on a eu la réponse à notre question. Elle n'est pas morte de la maladie du rongeur. Quel dommage. Tiens, tu vas raconter une histoire drôle aussi. Par contre, il a des morbacs. Hein. Madeleine. Bonjour madame. Une femme vient de quitter ce foyer. N'hésite pas à venir. Pourquoi tu te colles à elle comme ça? Sois quand même un peu de distanciation. Ah, ah oh. Direct, hein. Putain, ce tapis. Il en a rien à foutre de sa mère. Ah, elle est là. Oh, la faucheuse, elle vole dans les airs. Et... Incroyable, du cul. Alors, sur son appli je suis mort.com, de la merde. Le rendez-vous qu'elle a eu était bien pour aujourd'hui. Marina Muller, la duchesse, nous quitte. Adieu, Marina. C'était sympa. À la prochaine.
Ou pas. Oh putain, il est tout seul. Oh, ça fait bizarre. Salut Tandori, comment vas-tu? Merci beaucoup Elon Musk pour ton follow, bienvenue à toi. Ses deux parents meurent et il est happy. Ouais, rien à foutre, hein. Regarde, bah non, mais... Ah bah il est tout verté, vergeturé. Je suis pas sûre que t'arrives à emballer comme ça, mon petit coco. Hein. Tu penses qu'il va être triste ou s'en foutre? Totalement comme pour Cham Cham. Bah, il y a des Waya qui s'en foutent. Hein. Ah! On a Tati qui arrive, Tati qui est vieille. Elle est triste. Oh, j'ai perdu mon frère. Oh, j'ai perdu ma belle-sœur. J'ai perdu mon sex-appeal aussi. Ah bon, on est lundi, c'est l'heure de payer les factures. 4479. Ah! J'allais dire, c'est quoi? C'est la faucheuse qui se tape un film. Une histoire d'amour? Oh. Sous cette carapace, elle a un petit cœur qui bat, cette faucheuse. Elle est morte à cause des bestioles qui ont filé le Covid, c'est ça? Qui est mort? Bah, c'est sa mère. Regarde, Toya, il est tout seul. Il est seul tout dans la maison. Ah si si, regardez, il est triste. Mais il est aussi mort de rire. Hein. Un petit fou rire, c'est pas mal. Bah non, tu vas lui demander quel boulot il fait. Elle fait, pardon. Même si normalement, elle est flic. Hein. Ça, on l'a rencontré au boulot. Donc. Oui, c'est sa mère, ouais. Elle vient juste de partir. Elle a été élève agent de police à cet endroit, c'est validé, et Merguez a pensé à vous et... Voilà. Carte postale. Vas-y, fais une blague sur les mimes. Fais l'imbécile un peu. Désolé pour les bruits. Partage tes secrets de cuisine. Tu connais tous ces traits ou pas? J'avais entendu. Il y a la faucheuse qui se tape ses meilleures barres en regardant la télé. Ah. Allez, la faucheuse, à la prochaine. Vous ne passerez pas dans l'autre monde. Bon. Totoya, il est seul au monde. Il a plus personne dans son foyer, seul au monde. Je veux que tu apprennes tous ses traits. Oh, la gourmande! La coquine, elle va manger de la saucisse, celle-là, elle va redemander. Ah, elle est gourmande. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant. C'est une gourmande, la coquine. En même temps, de la saucisse, ça fait longtemps qu'on en a pas bouffé ici. La meuf, elle s'appelle Manon Price. Mais qui va passer la spie? Oh bah c'est Manon. T'inquiète, elle va arriver dans le foyer, ce sera la femme, nouvelle femme de ménage. C'est elle qui va pondre les gosses, faire le ménage, et tout. Et tout. Je suis désolée, hein, mais effectivement, c'est triste, Quand j'ai un mâle... Oh, regardez comme elle est mignonne. Quand j'ai un mâle en tant qu'héritier, bah, sa femme, c'est forcément la boniche. Hein. Forcément. Et si elle a changé, on fait quoi? Bah, on fait rien, parce qu'elle a pas changé. Oh, la baisse, on l'invite dans le foyer en dents de son dent. Oh, la violence. Vas-y. Ah, c'est moi ça! Vous avez vu, Toya, il m'imite! Eh ben, c'est le chat qui a choisi! Alors, j'avais fait tout plein de trucs, hein, ça m'énerve ça! Reste zen, Shirley, parce que tu. Tu vas perdre patience. T'es dans les Sims, il faut que tu restes zen à toute épreuve. Nya 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 nya. Exactement. Attendez. Moi je veux connaître ses traits à cette demoiselle avant. Est-ce qu'elle recherche un mec mortel? Parce que je dis ça, je dis rien, mais Totoya. Oh la vache!
Elle s'est mise sur une chaise qui bouge toute seule, dit. Pff, incroyable. Je vais pas faire connaissance. Ouais, bon ami. Bonji. Snibara. Dubna Timpi. Watanini Cha. Gana Shuna. C'est le destin. Bah, après, c'est le chat qui a choisi. Hein. Il y a eu deux votes pour savoir qui serait sa future femme. On va pas partager nos astuces de célibataire épanoui parce qu'on va se mettre en couple. C'est complètement con. C'est ce genre tu fais. Ah mais tu sais pas à quel point c'est génial d'être célibataire quoi. Tu fais ce que tu veux quand tu veux, tu te balades nu, tu te frottes ta bite partout, c'est trop bien. Et à faire. Ah ouais tiens. Et sinon tu vas être ma copine? Bah non. Et salut Guillaume, comment vas-tu? Je t'ai juste pas vu, excuse-moi. Oui, oui, ah bah le rhume est arrivé, il s'installe là. Et on va cohabiter quelques temps là. Ça va, elle a de l'humour, la cocotte. Mais j'aimerais voir ses autres traits, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il a même pas. Elle était encore en train de parler, qu'il lui a coupé la parole, quoi. Et merci, Lulu London. Lulu London, j'imagine. Non, 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 tu restes là, et Charlotte, là. Eh oh, t'as pas encore baisé. Viens ici. Voilà. Regarde, t'as plus sa place, c'est encore chaud. Non, non, moi je veux savoir ses traits. Eh hein. Oh, ça va bien, oui. Tu partiras jamais de cette maison. Ah, t'as oublié de prendre tes affaires ou t'as pas prévenu? Ah, c'est dommage. C'est pas grave, on t'en rachètera. Regarde, ici tout est orange, ça devrait te plaire. Et salut Lulu, comment vas-tu? J'imagine en train de frotter ma bite partout. Bah vas-y Shana, vraiment, fais-toi plaisir. Hein. Oui, ma mousse, t'inquiète. Vous moussez par tous les trous, vous. Fais pas de la musique aussi, toi. Et encore des bruits dans l'escalier, évidemment. Mais pourquoi j'ai pas à faire connaissance, là? Qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai eu envie de m'arracher le pif, les yeux et tout ce qui s'ensuit, là. Pff, les foutre dans un tiroir. Et attendre que ça se décante. Ah, c'est insupportable. Toya faisant le cuisicoptère. Salut, Web Web Diana, comment vas-tu? Elle a oublié son tube de dentifrice, c'est pas grave. Elle prendra le tube de saucisse. Padadam. Elle est romantique. Elle est quoi? Gourmande et romantique. Je vous ai dit, la saucisse. La saucisse, ça va marcher. Elle est venue manger de la saucisse, la coquine. On a encore le temps hein, pour la draguer, vous inquiétez pas. Bah, ça n'a pas marché aussi bien qu'on aurait cru, Toya. Je pense qu'elle t'a plus pris pour un débile qu'autre chose, là, pour le coup. Comment s'est passée la journée? Par contre, lui va nous claquer d'hystérie. Il va claquer d'hystérie. Donc, on va le calmer un peu. C'est ce qui... Voilà, il est inspiré. Magnifique. On veut pas qu'il claque à mon gueule. Hein. Et ça va, Diana, ça va bien. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a traité. Attendez, attends, est-ce que si tu montres que t'as des machins là, comment ça s'appelle déjà, les Morbac, je suis pas sûre qu'elle kiffe. Hein. Allez, devenir meilleurs amis hein. Pour la vie. Hein. Lisserag.
Je peux avoir son troisième trait, s'il vous plaît. Piguna. Philbar. Oh, Nankini, oui, bien sûr. Oh, nay. Ta-da-dam. Galba. Oh, Bombadoy. Ils sont pas devenus meilleurs amis, là, on est d'accord. J'adore quand je me zappe ce que je lui demande. J'adore. J'adore. On a les trois ? Ah oui ! Je les appelle joyeuses, effectivement. Merci beaucoup. On peut la sauter maintenant. Ah, allez, enlace-la. Vas-y, Toya. Vas-y, Toya. Enlace-la. Pelote-lui le cul dodu. Enlace-la. Oh. C'est trop facile. Vas-y, envoie à baiser. Regarde sous le regard de amoureux de ton père. Oh, regardez Cham Cham qui est là, il fait « Oh, mon fils !» Nah, vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Elle se casse. Pourquoi tu t'en vas, meuf? Allez, j'avais un bon plan, là, avec... Non, tu déconnes. Tu déconnes. Avec le portrait de Cham Cham. T'as vu comment t'es roulé? Je veux te baiser. Ok. Elle est contente. Regardez. Elle est heureuse. Ah, super. Ah, bah, elle vient de sauter, c'est cool. Ah. Oh, oh. Ah, quelle belle miniature. Attendez, je me suis trompée de touche. Tac dans ce sens-là et tac dans ce sens-là. Oh, ça, c'est le visage du content. Hein, c'est... Voilà. C'est facile, ça. Elle est chaude. Elle est chaude. Mais non, enfin, friendzone. C'est rare dans les Sims de faire de la friendzone. De l'action. T'inquiète, t'inquiète, ça va y aller, là. Oh, ça va y aller sexe, sans vaseline, ni rien. Attention. Attends. Attends, Jean-Claude. Attends, Jean-Claude. Attends, Jean-Claude. Attends, je suis pas bien en face. Je sais pas dans quelle position ils se sont mis. C'est comme ça, d'accord. C'est parti, mon zizi. Ouais. Salut, King of Pom, comment vas-tu? Oui, j'étais sur le live de Gnome. On la raid, comme quasiment tout le temps. C'est bon, on a parlé 12 minutes. Bah non, et, il est 18h dans le jeu. Elle est arrivée à 10h du matin. Je pense qu'en 8 heures de discussion, tu sais si tu t'entends très bien avec la personne ou pas. Oh! Oh ouais, tiens le petit rancard! Par contre, je sais pas où le rancard, hein, mais on va l'emmener encore. Et on joue des fois ensemble avec Gnome. Salut, Mamie Yoda, comment vas-tu? Allez, go le rancard! Oh, piting! Où est-ce qu'on va aller? À la mer. Mais y a pas, j'ai pas installé de resto moi là-dedans, je crois. Faudrait que je prenne le temps. Après, il me reste plus beaucoup au final, mais. Ça suffit, Marine. Putain, je suis blanche comme un cul. Mais même les culs sont plus bronzés que moi. Marine, ça suffit. Je vais sortir le fouet. Merci beaucoup, le médecin de l'hôpital, pour ton follow. Bienvenue à toi. Je crois que mon thé est froid maintenant. Avec tes bêtises. Marine, ça suffit. Ça arrête, tu montes tes fesses, là. Immédiatement, tout de suite. Tu te lèves et tu montres tes fesses. Ça va être l'heure de ta fessée. Je sais pas ce que j'ai fait, mais je suis arrivé à la fin de ton live. Ah, oui, puis alors je l'ai fini un peu tôt parce que comme j'étais pas en super forme. Oui, il a un petit peu froid quand même. Allez, c'est bon, t'es prête, Marine? T'es en position? La fessée, voilà. Oh, t'as un cadeau rouge maintenant devant ton pseudo. Je l'ai jamais vu de ma vie. Je n'ai jamais vu ce cadeau rouge. Arrête d'offrir des subs. Bon sang, bonsoir. Après, ça fait baisser mon nombre de subs de manière drastique. Mais c'est gentil.
Gros bisous à toi et Smiley Bull, merci beaucoup pour les... Non, ça va pas bien, Babi. Là, le rhume s'est très très bien installé. Hein. On peut pas dire autrement. Ah, attendez, voilà, Bradenton Bay. Bon, le musée, il est à chier quand même. On va aller là, au Cub Calico, là. On va aller là. Voilà. Ah, team médecin, ouais. Que faire contre le rhume? C'est juste un rhume, hein, vous inquiétez pas. Hein. Ah merde! Ah, on est en hiver! J'avais pas fait gaffe. Oups. Ouais, bon, heureusement qu'on n'a pas été à Soulani. Hein. Alors, socialiser avec son rancard, s'asseoir et parler. Bah écoute. Petite conversation profonde avant de passer à autre chose de plus profond. Ok. Il y a rien. On est d'accord qu'il y a rien dans ce club. Bah, vous allez vous asseoir et discuter là. Crazy. Oh. Trinjella Longi, Pene Vima. You wanna zone? Le même rhum, ah. Mon gros pif bouché, ouais, j'ai pas l'impression qu'il est petit en ce moment. Oh putain, sa mère. Je peux pas jeter un buisson dans un coin, moi. Je pourrais. Yes, I can. Regardez-le. Il est tout émoustillé. Allez, les bisous. Les bisous, langoureux. Allez, choupette. Oh. Oh là là. Ça me donne envie de vomir. Ou d'éternuer, je sais pas encore. Eh ben non, ah, ça sort pas. On va bien éternuer une bonne fois pour toutes, hein. Ah putain. Plus de subalors débite Lou l'agent 21 boule. Je vais te frapper, toi. Je vais te frapper avec... avec je sais pas encore quoi, mais je vais trouver. Tisane de thym. Ouh, je crois que j'en ai pas. Alors, de toute façon, ce soir, c'est faire vexant. Fais un massage. Pelote-la un petit peu, là. Chuchote-lui des mots doux et des mots coquins. Merci beaucoup pour tes 100 bits, Marine. D'ailleurs, j'ai appris qu'apparemment... Pour les subs, on est censé recevoir 50%. Mais dans la réalité, un sub coûtant 5 euros, ou 4,99, ça fait normalement 2,50. Oh, comment il la regarde. Eh bien, apparemment, nous pauvres petits streamers, jamais au courant de quoi que ce soit, nous toucherions, au lieu des 2,50, seulement 1,50€. Voilà. Par contre, au niveau des bits, nous en touchons. Mais qu'est-ce que tu vas faire là? Laissez tranquille. 70%. Donc sur 100 bits, j'en ai 70. Et Twitch garde les 30 restants. Voilà, pour votre info. L'arnaque, bah ouais. Prélèvement à la source. Non, non, c'est Twitch qui se rince. Mais vas-y, mais... Ah, oh, ça m'énerve. Vas-y, va offrir une rose. Elle va kiffer, elle est romantique. Bah, elle, pour être mal à l'aise, elle est mal à l'aise, hein, celle-là. On dirait un rencard mal arrangé ici. C'est ton bonheur en plus, ça, Momo Hero Queer. Qu'est-ce qu'il faut avec une femme? Eh, ça. Hein. Mais tu parles pas aux deux! Mais c'est pas possible, ça. Va te rasseoir là! On veut pas de toi, t'es trop moche. Merde, il doit pisser. Faudra qu'il se vide la vessie avant de vider ses... son portefeuille. Bon, vas-y, roule une pelle. Je crois qu'elle a pas envie de s'asseoir.
et avoir une conversation profonde. Enfin, je vous dis, à défaut de faire, d'avoir autre chose. Faire un massage, bon, on l'a fait tout à l'heure déjà, mais bon. C'est pas un souci, hein. Où est-ce qu'on peut te masser, ma cocotte? Ah oui, c'est dans Amour, je suis con, moi. Je cherche dans Amical. Propose un massage. Mais ça, je l'ai appris parce que j'ai maté des vidéos d'un gars, je suis tombée un peu par hasard dessus. Et c'est lui qui fait des streams aussi, hein, et j'ai fait « Ah ouais, d'accord !» Je ne le savais pas. Oui, son portefeuille. Ah bah écoute, il a beaucoup de feuilles là. Depuis ce matin, ça s'est rempli. Mais là, ça se passe très bien, donc ça m'embête qu'il doit aller au pipi. Mais bon, il va aller pisser, il va aller se vider. Mais non, mais King of Pump, t'es pas obligé d'en mettre autant. Merci beaucoup pour tes 400 bits. Mais attention, hein, non, vous... C'est... Et pas autant, ça sert à rien. Mais merci beaucoup, c'est très gentil. Avant de vider ces blancs en neige, c'est ça. Oh bah madame, elle avait rancard celle-ci, mais... Joséphine Bonnet. C'est marrant parce que c'est un mélange... Joséphine, bah, ça fait penser au Legacy et au Decades. Et en même temps, Bonnet, ça fait penser au Lord and Lady. Donc c'est un mélange de... Bérénice Bonnet. Alors, sa mère s'appelle Bonnet et elle s'est mariée avec un mec qui s'appelle Bonnet. Il y a combien de chances dans la vie de faire ça? T'as faim? Mais on peut pas bouffer ici, j'ai pas mis de resto, meuf. Ah si, on peut aller bouffer là. Il y a déjà 40 000 personnes, mais c'est pas grave. Merci beaucoup, King of Pop, pour... J'allais faire... draguer la serveuse. Ah, du pain pitac de l'houmous, miam. Merci beaucoup pour ton sub. Pareil, c'est pas obligatoire. Hein. Mais je fais un gros bisou. Merci beaucoup, et un smiley boule. Merci beaucoup pour le soutien. Elle s'est mariée avec son frère. J'ai jamais dit ça. Et attention, les vannes sur le nord, ça passe pas ici. Où je sévis. Après, il va l'appeler. Parce que là, ils sont torrides et ils vont aller dégeler la température extérieure. C'est quoi ce look? C'est quoi ce look? Il avait besoin d'abonner, il a pris le premier truc qui tombait, lui. Mais dans la rue, hein, pas chez lui. Hein. Tu l'as appelé ta meuf? Oui, c'est bon, elle arrive en courant. Parce qu'elle avait faim, la cocotte. Faut la nourrir avant qu'elle clame de hein. Faut qu'elle supporte quelques grossesses, hein. Elle va nous pondre des belles petites filles, hein. Non, tu commandes rien du tout. T'as commandé à bouffer. Technique de drague. C'est très bien. Pas de vrai jeu, nous ne sommes pas consanguins. Je suis complètement d'accord. Je sais même pas d'où ça vient, cette histoire, d'ailleurs. Sims Gooden. Merci beaucoup pour tes 29 bits. C'est pas obligé, hein. Mais merci beaucoup, c'est gentil. Il crée sa propre tendance, c'est ça. Mais ce live où tu te fais fâcher quand tu donnes des bits sous sub... Oui. Bah écoute, hein, comme ça on pourra pas dire que je suis une personne qui réclame des subs ou de l'argent, hein. Une des rares. Tu l'as vu aussi celle-là? Non, j'ai... Je rigole. Et sinon, vas-y, hein, drague là. Hein. De toute façon, ce soir, tu rentres avec elle. Et après, on la séquestre. Mais sérieusement, King of Pom, ne donne pas autant d'argent, ça sert à rien. C'est très gentil, mais ça sert à rien du tout. Merci beaucoup. C'est normal, la drôlesse, c'est la mise à jour qu'il y a eu hier. Ils ont changé ça aussi. Mais y a du houmous. Y a du houmous, meuf, tiens, bouffe. Putain, mais elle est con, quoi. Merde. Le bar avait disparu. Y a du houmous, vas-y, viens.
Ah, il faut encore avoir une conversation profonde. Attends, on va avoir une conversation profonde. Parce que là, ce soir, on rentre avec elle, on la ken. Hein? Tabarnak. Et elle est en ménage, hein. Direct. Merci beaucoup, King of Pommes, mais t'es pas obligé. Ça suffit, t'as mis trop d'argent déjà, c'est bien. Je suis très contente, merci beaucoup. Et en plus de ma mâche d'hier, une micro-mâche à 5 minutes. Ah oui, il y a eu une autre mise à jour tout à l'heure, oui. Non, il n'y aura pas de train de la hype là, il n'y aura rien du tout. J'ai pas retravaillé le train de la hype non plus. J'aimerais avoir un truc un peu plus sympathique, mais quand c'est le train de la hype, mais pour l'instant j'ai rien fait, donc vous allez rien faire. Voilà, il n'y aura pas de train. C'est la grève de la SNCF ce soir. Il n'y a que deux nouvelles coiffures où je rêve. Oui, Anne, il y a une nouvelle et une qui a été retravaillée. Mais effectivement, sinon t'as sûrement des rectifications de bugs, mais j'ai pas été voir la note. Mais ah, vas-y, petite amie, parce que là le rencard se finit, donc. Allez, tu vas être ma copine. Hein. Bah heureusement que tu dis oui. Moi je t'aurai attaché au lit, hein, t'inquiète. Hein. Ah, je suis trop contente. Si un jour dans ma vie j'ai de nouveau un mec. Ce qui n'arrivera pas parce que bah je suis déjà fiancée. Je ferai ça aussi. Ah comme dans les Sims. Devant lui, évidemment. Eh, viens ici que je te complimente l'apparence. Elle apporte sûrement des rectifs de bugs, donc... Rancard terminé. Allez, on rentre à la baraque et on se la ramène, évidemment, avec nous. La petite n'aura pas compris d'où elle venait. C'est un épisode spécial amour, aujourd'hui, hein. Voilà, on va la prendre avec. Mais j'ai dit d'arrêter. Je vais te ban. Ça va être simple, King of Pop. Je vais te ban. Voilà, ça va être simple. Mais arrête! Ça suffit. Arrête, ça suffit maintenant. Merci beaucoup, mais c'est ça. On arrête là, ça suffit. C'est bon. Merci beaucoup. Mais voilà, t'as débloqué le Joey. Le Joey qui fait... Parce que c'est exactement la gueule que je fais. T'as débloqué le Joey. Y a pas au-dessus de GIF. Je promis, y a rien comme alerte. Y a que Joey. Ça suffit. T'as Danny. T'as... je sais plus comment il s'appelle dans The Office. Qui fait ça. Et t'as Joey qui fait... Oh, et c'est tout. Y a plus rien après. T'es pas obligé de monter. Voilà. Non, je tente rien du tout. Non, c'est pas... Lui, il a gagné au loto. Bah, je sais pas, mais... C'est un... Alors, tu vas sûrement pas dormir, tu vas prendre une pause sexy. Ça me perturbe, moi, je sais. 100-500 euros. Ah non, pas 100 subs, Martial, ça va aller, ouais. Il est fou, lui, 100 subs. Oh, petit crac-crac. Oh, ils ont envie de crac-craquer, hein. Ils ont envie de crac-craquer, ils sont très enjôleurs, là. Bon, elle a faim, elle va manger de la saucisse, c'est parti. Ouais, on va manger de la saucisse, t'inquiète. On va juste faire crac-crac pour l'instant. Voilà. Voilà. Exactement, Héruline. Ça va être comme ça maintenant. Vous faites des dons, je vous banne. C'est comme ça. T'as déjà fait 100 subs? Mais moi j'en veux pas, hein. Je te le dis direct, hein. Tu m'offres pas 100 subs, j'en veux pas. De toute façon, j'ai aucun moyen de dire non, mais je n'en veux pas. De toute façon, c'est clair et net, je n'en veux pas. Ou je désactive la monétisation de ma chaîne Twitch. Ah, vous allez être tout con. Hein. Puis alors, vos points de chaîne, ça sera tant pis. Hein.
Moi je suis pas sub. Oh, bah ouais mais hein, j'ai pas envie que vous soyez tous sub. Non mais enfin si, parce que c'est si vous avez envie d'être sub bah. Mais bon bref, parce que après c'est ça vient dans mes dans ma mon portefeuille ces conneries. Donc, De toute façon, il y a pas assez de personnes sur la console. Ouais, mais ça pioche au hasard. Ça pioche au hasard des gens qui sont venus, qui viennent, qui ne parlent pas. Ou des, juste des followers et tout. En fait, ça, c'est un peu un mélange de tout. Normalement, c'est quand tu es actif, à partir du moment où tu as été actif sur le chat, je crois, ou un truc comme ça, ou juste même spectateur. Quoique non. Non, non, une fois, j'ai récupéré un sub. Je venais d'arriver sur un live, ça faisait 2 minutes, j'avais pas parlé. Ok. Je suis médecin, je soigne les malades. Ah ouais, soigne-moi au lieu de m'envoyer de l'argent. Eh, trouve quelque chose contre les putains de rhume. Qui fasse comme ça et puis. Allez, tiens, je vais mettre de la pub parce que j'ai pas assez d'argent aujourd'hui. T'as raison, Martial. Je vais mettre de la pub, j'ai pas reçu assez d'argent avec King of Pom. Donc je voulais qu'il se réveille pour qu'il la chope. Comme ça, on va lui demander de rester chez nous. Ah oui, conversation profonde, après du crac-crac, ça va du bien. Ah oui, elle va pisser. C'est pas grave, t'inquiète, tu vas. C'est parti donc pour la pub, je remercie les personnes qui verront une pub. N'hésitez pas à mettre dans le chat si vous en voyez une, puisque vous allez contribuer encore plus à ma richesse du jour, n'est-ce pas? Puisque je vais gagner des micro-centimes de dollars. À tout de suite. Voilà, j'attends de voir que ça passe un peu. Ah oui, mamie, regarde les pubs. Infusion marmotte dans le commerce. C'est quoi ça, infusion marmotte? C'est pas une vraie marmotte, rassure-moi. J'ai déjà eu un sub d'une scène, j'ai jamais été. Bah ouais, c'est ça. Des fois, c'est au pif. Ouais, mais ça marche pas, les cadeaux pour se débarrasser du rhume. Promis, ça marche pas. Bon, elle est pas très, en très bon état. Non, tu vas pas l'embrasser langoureusement. Je pense qu'elle va se pisser dessus, sinon. Et tu peux lui chuchoter des mots doux rapidement. Et après, eh ben, on va l'inviter à rejoindre la maison. Attends, on a pas ma mieux de... Oh, c'est pas grave. Ah, c'est une marque. Voilà. Faudrait que j'aille voir. Léonie non plus. Bah alors, à quoi vous servez dans le chat, là? Non, je rigole, hein. Je plaisante. Oh, ça se regarde dans les blancs des neuils. Qu'est-ce qu'il fait? Non, tu vas pas faire du barbecue. Oh, Titi s'est levé. Chaton. Mon petit cœur. Eh, viens pisser dans notre... viens faire ta nouvelle maison chez nous. Enfin, chez moi. Que grâce à mes ancêtres, j'ai cette maison. Tu vois, il y a plein de chambres. Va falloir les remplir, hein, avec des mioches. Hein. Oui. Ah merde, je veux pas d'argent. 135-315. Et merde. J'ai récolté 100 000 balles. Et j'espère que j'ai pas récupéré tous ces meubles. J'avais déjà coché. Oh putain! Oh non! J'ai récupéré tous ces meubles! Pitié. C'est pas pour demain le château de Shirley. Ah non! Bah avec King of Pom, on sait pas, tu sais. Alors, est-ce que... Eh, elle est plus vieille que lui, c'est pas grave. Ah oui, elle doit vraiment pisser. Bon, bah, elle va aller larguer les amarres. Descendance qui réussit. Parents contents. Pourquoi elle a pas... Ah! Il y a un petit problème. Ah non, zéro. D'accord, il y a rien. Le premier truc, il y a rien. Ok, tout va bien, tout est normal. Ok. T'inquiète, elle revient. C'est bon maintenant, elle pourra plus nous échapper. Tu peux sortir les menottes, chérie. Ah, ah, ah. Ça va swinguer dans le lit.
Viens ici. À mon chaton. Petit cœur. Hop, crac crac. Putain. Simba. Merci, King of Pom. C'était quoi là, la notif? Parce que je veux pas perdre. Roger a très faim. Oh merde. Oh merde, Roger, il faut lui donner à bouffer. Lui aussi, j'imagine. Non, bon, ils vont niquer et après ils reviennent. Hein. T'inquiète pas, Roger, tiens bon. Je crois qu'il va claquer entre temps. Oh putain. Nique pas, viens, viens. Non, la baise, c'est après. Viens nourrir Roger, on sait qu'il est très chiant et que si tu le nourris pas dans la seconde, il claque. Hein. C'est bon? Allez, on peut la baiser, c'est bon. Hop! C'est encore la lune de miel, les enfants. Et merci beaucoup, King of Pom. Mais arrête, ça suffit! On a une nouvelle femme de ménage, tout à fait. Il y a des. Regardez, il mouche une petite croquette! Ou je sais pas ce qu'il mange, mais il mange. Ah, Titi ? Ah oui ? T'as Roger qui mange ? Il s'est vite barré. Et ce soir, dans le reportage animalier dans les Sims, Roger a faim. Salut Sauvane, comment vas-tu ? Il veut une fessée ? Hé, hey, tu montes tes fesses ! Tu te lèves et tu montres tes fesses à l'écran. Ah oui, c'est comme ça ici. Hein. Pour avoir la fessée grandeur nature, c'est comme ça. Hein. Et tu me dis quand t'es prêt et c'est parti. Hein. Je suis nouvelle sur Twitch, ça fait quoi quand King of Pom, tu donnes tout ça? Sur Twitter, non, sur Twitch. Bah ça me donne de l'argent en fait, Coco. Bah écoute, Sauvane, je suis enrhumée, donc pas en super forme non plus. Mais bon, ça a été mieux et ça ira mieux un autre jour. Putain. Je crois que King il a envie de... Non mais ça va pas du tout cette histoire hein. T'as envie de briser des records ou comment ça se passe? Sinon tu sais j'exagérerai pas Coco si en vrai alors c'est pas Manon, je l'accompagne pas Manon moi. Elle y va si elle veut, y a aucun souci, elle peut aller taffer hein. Elle va taffer d'ailleurs ma cocotte. En gros, sinon je l'engueulerais pas, hein, si c'était juste des trucs comme ça, mais là c'est de l'argent si tu veux. Voilà. Oui, Joey, bah ouais, il y a Joey, ouais. Bon, tu montes tes fesses. T'es prêt, hein? Parce qu'il y a fessé et après c'est claque, hein, attention. Je sais pas ce que tu préfères, mais comme ça. Tu vas voir, c'est agréable. Tu déménages. Je déménage où? J'éménage dans mon futur châtel, mais je l'ai pas encore trouvé. J'avais vu quand même une vieille maison qui faisait petit manoir. Bon, il y avait du taf hein, dedans, mais... quand même, hein. Oh merde. Bon, à go pour boulot, tant pis. Hein. Non, c'est pas 100 euros, Coco. T'inquiète pas. Allez, King of Pom. La grosse fessée. En gros, c'est l'équivalent de 100 bits, c'est à peu près un dollar ou un euro. Sauf que vu tout ce qu'il a donné ce soir, quand même, les 1000 bits, ça fait du coup du 10 euros. Ça fait que la facture commence à être élevée quand même, hein, pour quelqu'un qui ne me connaît pas et qui débarque aujourd'hui sur le live. Hein. Bon, après, je dis pas, c'est très gentil. Mais bon, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il est triste? Bah! Bah d'un seul coup, il se dit « Oh merde, j'ai perdu ma mère !» Il en avait rien à foutre, et puis voilà qu'il est triste maintenant. Il y a à bouffer ici. Bah tu vas commencer à bouffer alors. Acheter un anka, un petit sandwich, allez. Va bouffer! Oh là 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 là. Hé! C'est qui la grosse vache là? Mais qui c'est la grosse vache qui... Bon, elle est en meilleure forme que moi, hein. Il n'y a pas comparaison, là. Hein. Elle est plus belle, celle-ci, on est d'accord. Hein. Bon. Voilà. Ah, c'est dommage, elle est déjà mariée, hein. On peut pas la culbuter, celle-ci.
Oui. Et non, t'as pas offert de pub, de sub, Diane. Oh là, de pub, n'importe quoi, moi, tout va bien. Et bonne nuit, Ondine. Tu engueuleras pas ta Diane, elle a l'habitude avec moi. Elle a pas de rhume, non, c'est pour ça qu'elle est en meilleure forme. Oh, vous avez vu, ça disparaît tout seul. Après, il ira pissouter et il sera prêt à combattre le crime. Discuter des théories sur l'affaire avec des collègues. Et toi. Voilà. Prendre les photos d'identité judiciaire à la station et lancer un avis de recherche. Tu vas lancer un avis de recherche. En plus, il casse ses ordinateurs. Magnifique. D'accord, Sovan. Je lui en parlerai. La gnome. La belle Sims, ouais. Je sais pas d'où elle sort, celle-ci. Va parler, allez. Mais sois pas triste, t'as une nouvelle chérie. Yeah, allez patrouiller. Bon là on a quand même beaucoup d'indices, non? Je me souviens plus. Pardon pour le micro. Ah bah voilà, on va aller enquêter. Des bisous Guillaume. Ah, c'est les cassos qui sortent. Changer. Bonne nuit à toi Guillaume. J'allais dire soigne-toi bien, mais non, c'est pas toi qui dois te soigner. Tout est normal. Et merci Dodo21 pour ton follow, bienvenue à toi! Sur ce stream de qualité, le stream de Covid. C'est pas vrai. Salut Lulu, comment vas-tu? Avis de recherche. Un suspect correspondant à la description de l'avis de recherche a été vu dans cette zone. Interrogez les gens aux alentours pour voir si quelqu'un peut vous mener vers le suspect. Ou susprout, ça dépend. Utilisez le carnet pour consulter à nouveau la description du sujet avant de procéder à une arrestation. Si vous arrêtez la mauvaise personne, cela ne sera pas bon pour votre dossier. Effectivement. Et je n'ai pas vu le dernier follow. Et c'est Alice Kawaii, merci beaucoup pour ton follow. Alice, et bienvenue à toi. C'est parti. Combattons contre le crime. Et merci Lulu pour ton follow également. Et bienvenue à toi sur cette chaîne. Donc quoi, arrêter un suspect, d'accord, oui, alors il doit ressembler à quoi notre suspect? Carnet, c'est ça, on est là dans fit carrière détective. C'est un adolescent qui porte un pantalon, il a un haut à manches longues. C'est un homme, il est méchant, il a les cheveux noirs. Mon sens aiguisé de détective, parce que je suis détective, même dans le jeu, me dit que ce garçon est notre suspect. Et... va être sympa. On va voir de quoi il se chauffe celui-là. Ah, très doucement Sean, hein, très doucement les follow. Alors, monsieur l'adolescent, êtes-vous méchant? Est-ce que vous avez tout à t'as pris la responsabilité? Ben ça, c'est sûr que t'as du taf, hein, connard. Pardon, t'es sorti tout seul. Petit con. Faire connaissance. Professeur Layton n'a qu'à bien se tenir. Ah bah écoute, moi j'ai la pratique derrière moi, je suis une détective. T'as un doute, Marine? Moi j'en ai peu. Il a l'air bien méchant. Il a peut-être hérité de la... Putain. Ça suffit, King of Pop. Qu'est-ce que vous voulez que je te dise, les enfants? Qu'est-ce que vous voulez que je te dise au bout d'un moment? Arrête! Garde ton argent! Offre-le à des associations pour les chats!
Voilà. Regarde-lui, là. Il a les yeux qui brillent comme ça, c'est pas normal. Il faut le sauver. Et lui, c'est congénère. Dis merci. Oui. Mais c'est, j'ai dit 40 fois merci. Je sais plus quoi dire. Tu vas pas danser avec ta Kumi, non, ça ira. Attendez, je vais dire merci, mais... Évidemment. Mais offre à des assos, hein, ils seront très contents de t'avoir dans ton argent. Vraiment très très contents. Et pour les chiens aussi, tout à fait. Et un peu moins pour les chiennes, évidemment. Celle de Twitch, bien sûr. Bref. Merci beaucoup, King of Pop, merci énormément pour, encore une fois, ces beats. Ce qui fait... Oh. Je suis pas là pour m'énerver ce soir. Viens parler. Viens parler. Oh. J'ai entendu dire que tu fréquentais Manon. Félicitations pour ta nouvelle petite amie. Et ouais, t'as perdu ma cocotte. Eh, tu vas te renseigner. Mais il y a personne dans ce lieu. C'est un peu du foutage de gueule quand même. Je n'ai eu personne de ce genre. Allez hop. Tu vas nourrir Titi dans Tirin et neuf une association qui s'occupe de chats. Je suis pas une association moi. Allez mes notes. Ouais. On va le faire craquer. J'ai des factures. Y a personne dans ce lieu. C'est une arnaque. C'est trop facile, la carrière détective, quoi. Y a qu'un seul sim sur les lieux. Mais non, qui est coupable? Alors, Takumi. Interroger le suspect. Discuter des théories d'affaires avec un collègue. Où est-ce que j'ai un collègue? J'ai un collègue là. Discuter. Prends des photos d'identité. Il est là. Ben, je crois pas, non. Tu te branles pas à l'intérieur, wesh. Et c'est les mêmes que la semaine dernière. Ils sont toujours enfermés. C'est triste. Hein. 10 séances de kiné et cap de pneu. Oh la vache, les 4! Putain. Allez, faire une photo d'identité. Du coup, Manon et Massine sont censés avoir choisi le chat, oui. C'est Marine qui l'a fait. Bah ça y est, maintenant, c'est trop tard pour elle, hein. Je vais pouvoir lui hurler dessus parce qu'elle fait pas comme il faut. Elle va faire le ménage, elle va faire les gosses. Elle va changer les couches. Le pauvre destin de ta Sims. Merci Ricardo pour tes 5 bits. T'as raison, garde tes sous, va. T'en feras bien les meilleurs usages. Ça fait pas pareil, non. C'est Danny. Bah bien sûr. Bah oui, bien sûr. Bah bien sûr, Jean-Claude. Elle est patrouillée. Non, on va interroger le petit con, là. Où est-ce qu'on fait pour l'interroger, déjà? Ah non, il faut cliquer sur la table, c'est ça? Interroger le suspect. Oh, putain. Ça suffit, King of Pom! Marine, t'as te v'là avec un concurrent, là. Ça y est, ça suffit. Ah, putain, c'est pas vrai. Ah, y'a Sims Lover et Sean. Bah, tu vois, Sean, t'as bien fait de venir aujourd'hui. T'auras ton petit sub offert. Putain. Merci beaucoup, King of Pom, pour les 5 subs offerts. Alors, parce que le chat ne le voit pas, hein. C'est... Bah, le YouTube, je parle, bien sûr. Et c'est pas écrit dans le chat là-bas, mais moi, je le vois. Donc, de toute façon, vous voyez en dessous, il a offert les 5 subs, donc voilà. Merci beaucoup à toi, encore une fois, mais garde ton putain d'argent, s'il te plaît. Ou alors, faut peut-être que je dise qu'il me le donne pour qu'il arrête. Je sais pas quoi faire, là, au bout d'un moment.
Je sais plus. Non, il le marque pas. Ah si, via... oui. Oui, si, j'avoue, il a... j'avais pas vu Wisebot, il le disait. Vous croyez que si je dis qu'il doit donner encore plus, il s'arrête? Ou je sais pas comment, mais c'est pas possible. Arrobase, Nelintu-bas, je te suis. Nelintu. C'est, on n'est pas au poker là, on n'est pas non, c'est pas le poker, c'est quoi qu'on mise plus d'argent? Si, c'est le poker. Je sais pas, je connais pas le poker. On n'est pas au poker ici. Léonie, je finis bientôt. Oh, il est déjà 22, putain. Pff, bientôt. Je voulais marier mes petits Sims. Est-ce que vous voulez qu'on les marie aujourd'hui à l'arrache ou j'essaye de faire un beau petit lieu pour la semaine prochaine pour que ce soit joli quand ils se marient? C'est le poker où tu relances, ouais, c'est ça. Je suis chef des services réanimation à l'hôpital, t'inquiète pas pour moi. Oui, mais quand même, garde tes sous pour toi, je sais pas moi, je sais pas. C'est juste. Voilà. C'est gentil, mais bon. T'as pas, tu t'es pas fait chier pendant des années à faire des études pour retour filer à la première connasse que tu vois sur Twitch, je crois. Merci quand même, hein, mais bon. Une petite fête, la prochaine fois, du coup. Bon, dans ce cas-là, on va pas trop tarder. Ça fait 1h06. C'est court, mais bon. Bah t'auras économisé Sean. Merci Sean. Je veux dire Sean. Merci King of Fun pour l'abonnement offert à Eruline. Je t'ai pas remercié parce qu'au bout d'un moment je ne sais plus. Alors gros bisous à toi. Merci beaucoup. Et Smiley les boules. Merci énormément pour ce soutien. Même si tu ne me connais depuis qu'aujourd'hui. Hein. Mais c'est gentil. Ah bah écoute, pourquoi pas Anne. Après tout. Et chacun a droit de faire ses petits malins, ses petits péchés. Je sais pas. Alors tu vas pas prétendre avoir des preuves, tu as des preuves, mec. On a tout contre lui. Je sais plus. Montrer la déclaration de témoin. Méchant policier. Menacé avec des araignées. Agiter des menottes. C'est pas possible. Ah, c'est maman. Putain, j'ai cru que c'était... Il va être timidé après. On va voir ce que ça fait. Bon, regardez, il est tout tristoun. Merci Marine pour cet énième abonnement offert à Mami Yoda. Merci beaucoup. Et salut Tuki, comment vas-tu? Je n'en puis plus. Merci beaucoup tout le monde. Gros bisous à vous. Et ça y est, des boules. Et il y a un sondage en haut du chat si vous voulez voter. C'est pour savoir si je fais le mariage à l'arrache maintenant ou la semaine pro avec une petite préparation. L'argent coule à flot ce soir, putain, je te jure. C'est la fin du mois, il y en a, ils ont eu leur salaire, hein, je sais pas, mais c'est bizarre. Il faut refresh, Ricardo. Je sais pas, ils ont... C'est à toi quoi? Ils ont peur que je meure entre temps, je sais pas. Ça me semble coupable, il est temps de la mettre derrière les barreaux. Oh bah putain, ça a été facile, wesh. Ah, obtenir des aveux, pardon. J'ai loupé le regarder fixement, là, je sais pas quoi. C'est dommage. Ça y est. Ah, ah. Vous savez, j'ai l'œil pour reparquer les suspects, les suspoutes coupables. Tu pourras te baigner dans ta piscine de billets pour... Mais si seulement j'avais une piscine ou ne serait-ce qu'une baignoire, Sean, je le ferais, mais c'est pas possible. Je n'ai qu'une douche. Mais je me ferai couler les billets et les bits sur mon corps nu. Oh putain. Putain. Ah mais ils vont rien comprendre sur YouTube. Merci beaucoup pour l'extension de ton sub jusque juillet. Il n'y a pas de concurrence. Merci beaucoup Clémence pour ton follow. Bienvenue à toi. Shirley, je balance. Arrobas Taking of Hippie Zero M te fait de la concurrence pour notre petit Martial. Tiens, tiens, quel est ce look de Rockers? Je m'étais pas habillée comme ça, moi, mais voilà. Le petit look de Rockers de Shirley. Shirley Targaryen, évidemment. Alors, on va aller parler au chef, parce qu'il faut parler au chef, pour qu'il nous rembarde.
Regarde, se vanter de sa promotion. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Pourquoi, Marie? T'as pris douche. Marie, t'as dit douche! Oh la vache. Eh, salut Lali, comment vas-tu? Tu fais quoi, Marcel? Tu fais rien du tout. Ah, vous voulez un mariage à l'arrache, du coup? Très bien. Nous allons faire donc un mariage à l'arrache. Ah, vache. J'ai la tronche... Faire semblant de renvoyer? C'est quoi? Parler au chef. On va encore se faire rencarder. Oh putain, mais non, mais sérieux. Mais arrête! Et je vais arrêter le live très très vite, hein, moi je vous le dis. Hein, parce qu'il y a Kim of Pomme qui est en train de se ruiner là. C'est pas possible. Raymond! C'est grâce à des officiers comme vous que nous avons pu résoudre 3 affaires de cambriolage, 5 incendies criminels et 2 de vandalisme au cours des dernières 24 heures. Continuez comme ça, retournez travailler. Mais non, c'est le premier mot que le chef nous dit de gentil. C'est pas possible cette histoire. T'étais qui toi? Non mais t'as les yeux marrons, c'est dommage. Puis de toute façon maintenant on est pris. On va faire de l'exercice pendant 1 heure. Allez, je vais remercier, vous inquiétez pas, je ne suis pas un rat. Je suis une rate, ça n'a rien à voir. Merci beaucoup King of Home pour tes 1000 bits encore, mais arrête! Ça suffit! Gros bisous à toi et smile et boule, mais non ça suffit. Tu sais que tu me connais pas, tu me connais depuis hier soir parce que j'ai... Mais tu me connais pas, peut-être que je suis une très très grosse conne que tu vas détester. Donc ce serait dommage de donner autant d'argent pour une grosse conne, quand même. C'est vraiment très très dommage. On veut pas être puni. Il est bien huné le chef. Bah écoute, il fait du bon taf, hein, donc c'est normal. On est à quel niveau déjà? Niveau 4. Oh maintenant elle a ramené 180 boules. Pff, heureusement que Toya sera là pour ramener les bibits à la maison. Hein. Comment tu gagnes ton argent sans Twitch, sans être indiscrète? Bah il faut travailler. Je suis très 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 loin de gagner ma vie avec Twitch, hein, mon dieu. Mais très 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 loin, mais je vais pas me plaindre de ce que je gagne parce que bah ouais, tous les mois j'ai la chance d'avoir un virement grâce à vos abonnements et à vos bits. Donc Martial, arrête et garde tes sous, bon sang. Ou chute toi-même. C'est pas possible. Toi, t'auras pas de bisous. C'est comme ça, tu seras puni. Et c'est pas le concours de celui qui est le plus gros, ça. Hein, ça va, hein, tranquille. Hein. Se faire assigner une affaire. Ah oui, c'est vrai, parce qu'on a fini. Non, je vois pas patrouiller. Il y a que moi qui suis sage comme une image ici. Ouais. Tiens, toi, dégage. J'ai besoin de l'ordinateur. Ah! J'ai vu les cheveux gris. Je croyais que c'était une vieille, mais c'est Astrée. Oh, Astrée, elle a sacré bidou, hein, dis donc. Excuse-moi, Astrée. J'avais pas vu que c'était toi. Oh, t'es enceinte, c'est bien. Tu vas rentrer te prendre soin de toi, c'est bien. J'ai viré Astrée. Oh, merde. Psy. Bah oui, tu dois être sage. Faut économiser pour notre château, Martial, alors. Ça sert à rien, tu perds notre argent, là. Mais oui, je suis moche, je sais bien. C'est n'importe quoi, Louis. Je sais pas ce qui se passe, mais King of Pomme, c'est un ouf. Oh, on a même pas eu de promotion. Oh, argent gagné, 609 Simflouz. J'allais faire, c'est plus que moi, mais c'est normal. C'est un Sims. C'est comme ça que tu traites les femmes enceintes, ça ouais. Je suis désolée, Livu. Je l'ai pas reconnue, j'ai cru que c'était une vieille peau. Vu moi les vieux, j'en veux pas dans mon jeu. Mais c'était Astrée. Bah oui, c'est Astrée, elle a les cheveux gris, donc... Hey, salut chérie. Oh, elle pue. Hé, hey, meuf, tu sais pas prendre soin de toi? Allez, va te toucher dans le bain. T'as ton futur chéri qui va faire à manger, là. Alors, repas gastronomique.
des pâtes à l'ail, pour bien puer de la gueule. Oh, oui, pour le mariage. Bon, ils vont se marier ce soir à l'arrache comme ça, hein. Et on lancera une petite grossesse. Comme ça, vous pourrez réfléchir d'ici la semaine prochaine à des prénoms verts. Je sais pas du tout que... J'allais dire que King of Pomme, je sais pas. Attention, elle lave à partir de 22. Donc là, je... Non, je la vois pas en ligne. Normalement, elle aurait déjà dû lancer. Donc je pense pas qu'elle va live ce soir. C'était les... Non mais... Vous avez une semaine, banner, tu as encore le temps de réfléchir. Et pareil pour YouTube, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos réflexions pour des prénoms verts. Comme ça, bon c'est facile, hein. En vrai, on peut prendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire prénoms couleur verte, quoi. Qui ont rapport avec vert, voilà. Courgette, ah Popeye, j'aurais pas dit, tiens. Mais courgette, c'était... Le Hulk, ah oui le Hulk, faut faire comme Phoebe, salade. Oui, tout ça. Peut-être. On verra bien. En tout cas, il y a de quoi faire avec la couleur verte. Donc, pardon. Manon Price. Hé, hey, Toya, c'est moi, Manon. Voudrais-tu aller à Rocker avec moi? T'es dans notre salle de bain? Ok. Il y a des trucs bizarres. Et salut Moshi! Comment vas-tu? Salut Josie! Persil. Concombre. C'est moi qui vais choisir. Waouh! Déjà, je vais choisir. Et vous voterez, bien sûr, parmi plusieurs prénoms possibles. Comme d'habitude, hein, on fait ça tout le temps avec le Not So Berry. Parmi ceux que vous me proposerez... Elle est où? Elle est là. Parmi ceux que vous me proposerez... Non, vous allez vous marier, wesh, d'ailleurs. Je suis en train de me dire. Allez, une petite douche. Ah merde, il est fatigué. Enfin, il est triste. C'est toi qui vas faire crac-crac avec Toya dans la douche. Comme ça, il va se laver en même temps. Hé, oh. Pas trop malade, bah si, si, j'ai le bon rhume, bien sa mère qui fait chier là. De toute façon, on les marie, bébé, et après on s'arrêtera là parce que je commence à... Absinthe. Ah, c'est pas mal ça, absinthe. Qu'est-ce qu'il y a, Martial? Tes messages passent pas incognito? Faut savoir que bientôt soirée spéciale, pour faire quoi? Tu veux faire quoi? Ah! Salut King of Pomme, merci beaucoup pour ton passage. Et merci beaucoup pour tous tes bits, hein, mais c'était pas obligé, mais merci beaucoup. Et ne sois pas obligé de revenir pour refaire la même. Tu peux revenir, mais en ayant la carte bleue scellée, d'accord? Merci. Je suis horrible, puis c'est la meuf qui engueule les gens. Mais ouais, mais bon, au bout d'un moment, les enfants, quoi. Quand même, je n'aime pas, moi. Nana, c'est demande en mariage, là. En chaussettes? Non, ils sont bien habillés, regardez. Oh, elle dit oui, bah y a intérêt, hein. Incroyable. Oh, hop là. Ça va, il a des biscottos. Tu vas être désirable, mon petit. Merci beaucoup. Et du coup, il pleure. Je suis désolée. Mais non, mais merci quand même. Bonne soirée à toi et travaille bien. Si tu travailles demain, repose-toi. Travaille bien. Et pas de bêtises à l'hôpital, sinon... sinon, les pauvres. Hein. Quand même. Ah non, c'est pas un mode, c'est avec à la fac que tu as le crac-crac dans la douche. Ah. Oh la meuf elle se marie, elle est claquée. Ah, elle est covidée aussi celle-ci. Oh merde. Et lui s'endort.
Oh, quelle cérémonie incroyable! Qui dit plus de stuff dit plus de saucisses. Allez! C'est la fête à la saucisse. De toute façon, il a pu ses parents pour être. Ah, on aurait pu inviter ses sœurs. Bon, tant pis. Tant pis. Pire mariage au monde. Et encore, ils se sont pas pissés dessus! Hein, parce que les mariages que je fais, moi, ils se pissent dessus, les mariés. Hein. Ben, la mariée. 80 heures semaine? Oh l'enfer. Bah écoute, bon courage à toi alors. C'est vrai, Mamie Oda, il me reste un fond de thé tout froid. À la tienne. Ok. Elle est un peu brutasse, hein, la chanson, quoi, la musique quand elle se finit. Hein. Bon, allez. Maintenant qu'ils sont officiellement mariés. On va la grande engrosser, la petite Manon. Hey, hey. C'est ça, vive les mariés. Et voilà comment se conclura cet épisode. Cette semaine. Pour une fois, on sera loin des 2 heures. Je pense que pour la rediff, ils seront bien contents. À Vendredale. À Vendredale. Oh, coucou Ilios, comment tu vas? Ça fait longtemps. Comment vas-tu? T'arrives un petit peu à la fin. Puis comme je suis très malade, je vais pas tarder, mais... Pas très malade. Je suis malade, quoi. Je suis enrhumée, Ilios. Ça ne va pas du tout. Je vais arrêter les Sims. On va peut-être checker un petit coup d'œil si... Bon, normalement, ça se met pas tout de suite, mais ça... Ah, une seule barre. Une seule flèche. C'est bon, elle est enceinte. Semaine prochaine, nous aurons le premier enfant de la génération verte. Donc, n'hésitez pas à mettre vos propositions de prénoms dans les commentaires pour YouTube, évidemment. Je proposerai vos prénoms dans le live, comme d'habitude, sachant que, à mon avis, il y aura beaucoup de propositions. Parce que vert, c'est assez facile, hein, contrairement à pêche. Donc, c'est comme ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette plutôt courte rediffusion pour une fois. Donc, on est très contents. Je pense que vous aussi. Je vous fais des bisous de loin. Pas covidé, pas enrhumé. On se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, eh bien, tout simplement, portez-vous bien. Soignez-vous bien. Sortez couvert. Au revoir, voilà. Les copains de YouTube. Charlie me dispute pas, j'ai donné que 6 bits. Non, mais ça va, 6 bits, je vous engueule pas. Je vous fais des bisous. À ciao YouTube. À la semaine prochaine. Bye bye.